Hey, hey, hey! Salut mes petits culs! Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Crux, The Big Heist. Sans plus attendre, continuons l'histoire! Et nous arrivions au dernier niveau de la ligne bleue. Attention, attention, difficulté du casse. 3 étoiles, on arrive à la réserve fédérale. Eh ben, on est parti mon kiki. On va voir la suite de l'histoire. Et on verra bien ce que ça nous apporte avec un magnifique Klopkowitz. C'est le grand jour, la réserve fédérale. Si on laisse les empreintes de Murray... Ah oui, place, c'est vrai, les empreintes de Murray. Définitivement débarrassé de lui. Mm-hmm. D'après le plan, le relais de la centrale coupera le courant de toute la banque. Et du coup, ça nous permettra d'entrer. N'oubliez pas, vous avez encore moins de marge d'erreur que d'habitude. Aïe. Si vous laissez la moindre trace, aucune chance de faire porter le chapeau à Murray. Aïe, 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 ça craint. Dose de danger, suspect. Au max. Au max. On doit pas être plus que suspect. Oh là là. N'attirez pas l'attention. Oh là 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 là, ça va être chaud. Ou alors, en dernier recours, effacer les bandes vidéo. Ouais. Pour faire court, ouais. Il faut rejoindre l'ascenseur du rez-de-chaussée le plus vite possible. Mm-hmm. C'est-à-dire avant que le générateur d'urgence ait rétabli le courant. Ah, je voulais dire, il n'y a pas qu'un niveau. Va grouiller de garde. Oui, 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 oui. Il y a une sorte de pont qui relie les ailes est et ouest. C'est peut-être le moyen le plus rapide d'accéder au coffre principal. On va se servir des mêmes techniques que chez Hofmeister pour ouvrir le coffre. Un mélange de dalles de sol et d'interrupteurs à minuterie. D'accord, je vois. Dès que les gardes verront que la porte du coffre est ouverte, ils se lanceront à notre recherche. Mais on peut retourner ça à notre avantage. Une fois dans le coffre, on laissera le piston retorfort de Murray avant de rejoindre l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée. Ouais, et puis c'est de l'autre côté, quoi. Bah oui, c'est complètement de l'autre côté. Vous êtes sympa. Une fois au rez-de-chaussée, ça sera pas facile de sortir de l'ascenseur sans vous faire repérer. Oh là là. N'oubliez pas qu'à ce stade, le courant aura sans doute été rétabli et donc que tous les systèmes de sécurité seront en marche. Bref. On ne sort pas par où on est entré. C'est bien ça, ça change. Des caméras, des dalles électrifiées. Oh là 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 là. Je vous conseille d'emmener Ron. Oh, surprise. Ce sera le casse du siècle, les gars. Ah, j'aimerais bien vous voir à l'œuvre. Tu protèges la pierre de lune et tu viens nous extraire à la fin. C'est déjà beaucoup. Je serais toi, je me trouverais plutôt un alibi. Ça, j'en fais mon affaire. Bon. J'ai peur. J'ai peur. De toute façon, je pense qu'au niveau... au niveau équipe, avoir toujours avec nous Rufus pour mettre en PLS les gardes. Klopkowitz, parce qu'il y aura sûrement des fourches Tesla et compagnie. Et Bishop pour les portes fermées. Quoi qu'il n'y a pas beaucoup de portes fermées, mais il y en a. Je pense que c'est la meilleure équipe. Après, on peut prendre un bonus. On va... Ouais, ouais, ouais. C'est un peu compliqué. Hein. Est-ce qu'il y a... Les machines, elles sont pas branchées? On les voit pas? On voit que les portes? Ouais, déjà... je vais quand même regarder. Mais là, on voit que les trucs des portes. Ah ouais, il y a ça, conduit d'aération. Peut-être qu'on peut prendre Cocotte Merlajoie, là, Roquette. Bon, voilà, après ça, je le mettrai plus tard, mais. Il y a quand même des trucs ici. Là, il y a un safe. Ah, il y a un safe. Donc, il nous faudrait un chalumeau. Ça c'est quoi ça? Interrupteur de déverrouillage. Ah. Oh, il y a des petites mallettes dessous. Il y a un pouet-pouet, il y a encore des mallettes. Il faudrait peut-être qu'on chope des semelles là. Les semelles anti-électrocution. Hmm.
Ah oui, courant rétabli, donc ça veut dire avec toutes les machines. Ah! Lobkowitz, ouais. Bah écoutez, Lobkowitz, ouais. Ok, très bien, choix de l'équipe. On va prendre Lobkowitz. On va prendre Murray. Une serrure accrochetée. Et c'est, ils ont dit qu'il fallait prendre le robot, hein. Traverser les cônes de vie. Ah oui, c'est vrai! Bah écoutez, on va faire ça. Et on va les atteler. Alors, toi, tu vas prendre deux chalumeaux. Ou un. Ta-da-da-ta-da-da. Toi, tu vas prendre... Alors, les semelles de ninja. On va prendre pour toi. Il y a ça. On va prendre pour toi. Ça, on va prendre pour toi aussi. C'est quoi ça? Porte piégée à placer sur les portes de tout type, hormis porte à interrupteur qui nécessite 5 secondes. Étourdis la prochaine personne qui ouvre la porte, voleur compris, pendant 20 secondes. Les gardes étourdis sont suspects et tentent de retrouver leur assaillant à leur réveil. Ah. Pour être rigolo. Parce que lui, je mettrais bien aussi ça. Ouais, je vais lui remettre un. C'est vrai qu'on a d'autres trucs. Ah, oui. Alors toi, tu vas prendre ça, toi. Ça, j'en ai surtout besoin. Destructeur, capteur amélioré, détruit... Ah, ouais. Chloroforme amélioré. Étourdis un garde normal ou rapide pendant 40 secondes. C'est-à-dire que même maintenant, on peut faire les rapides. Ah, oh, ça, c'est trop bien. Ah, et puis c'est plus long, en plus. Oh. Mais bon. Je vais peut-être prendre un destructeur... pour lui. Et toi, je vais te mettre deux trucs de caméra. Ouais. C'est amélioré... De 6 degrés. Ouais, comme ça. Bon, on est blindax. Ah ouais, lui, mais lui, il peut que porter, c'est ça? Je sais plus. On peut lui donner un truc, mais il peut pas faire grand-chose, je crois. On va te donner une fourche de Tesla, je sais pas. Bon, on est parti. De toute façon, je pense que... Faut bien partir à un moment donné, hein. Et tenter l'opération. 2, 1, 0. Le courant est coupé et l'heure tourne. Quoi ? Attention à la jauge de danger. Bien compris. Pas plus que suspect. Ça veut dire quoi, ça, bon sang ? Mais attendez, attendez, on n'a que 2 minutes pour... Attendez. Atteindre l'ascenseur pour monter le... Oh, fuck. Faut aller là ? En 2 minutes ? Oh, oh, les bâtards! Ouais, mais non, mais alors... Oh là là, putain... Ah ouais, ok, ça commence déjà chaud, quoi. Et là, je peux même pas prendre mon temps. Oh voilà, il y a vraiment... C'est le seul objectif. Il y a rien d'autre à faire, c'est juste aller là-bas, quoi. Et là, on a... Il faudrait passer... Maximum suspect, hein. Alors, là, on a un mec. Il faudrait passer là. Ici. Ici, c'est free. Non. Si, on peut passer par là. Par là. Il y a lui. Ouais, mais on peut pas accéder à cette porte-là. Ah, si, là. Ah. Oh. Wow. Wow. Oh là là, je pars en... Oh là 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 là. On est là. De toute façon, il n'y a aucun problème. Les portes sont... Au mieux, elles sont verrouillées, en fait. Donc, soit je vais là. Mais là, c'est chiant, parce que le gars...
Ou alors là, ici, ici, on arrive ici. Ah ouais, et là, lui, il a un tour de garde chelou, mais dès qu'il a le dos tourné, on est free. On passe là, tac, tac. Ouais, on peut passer là. Et on arrive déjà ici. Ah non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Hein, dit la meuf qui va se planter au premier. Oh putain. Pourquoi j'ai pris lui? Ça sert à rien. Bon. Et maintenant? Oui. Pas de perte de temps. Lui, je sais pas ce qu'il fait, le mec. Oh, c'est... Ah oui. Lui. Ok, on a encore le temps d'arriver ici. Mais lui, regarde, on va tenter. C'est quoi le topo? Vaste. Bien reçu. Oui, 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 oui. Ah, je suis speed. Ah, ça veut dire que les trucs là, ils vont pas non plus. On est bien là, hein? Oui, oui. L'autre, il revient, mais on n'est plus dans la pièce. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis prêt. Ouais, ouais. Oh, wow, wow. Je suis hyper, hyper concentrée. Lui, il va où? Il va par là. Ça veut dire que là, c'est juste ouvert. Ok, on peut aller ici. Oh, on est déjà ici, les gars. Oui. On est bien, hein. On est d'accord, hein. Quoique, je suis pas sûre, hein. On va tenter. Non, 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 non. Ils vont se faire choper. Ah putain. C'est quoi le topo? Ça va barder. C'est parti. Ah putain. Ouais. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas de chance? Il est obligé de venir faire son tour ici. Au moins, il viendra pas plus près, donc je vais les remettre près de la porte. Ça va barder. Ouais, ouais. Pourquoi? Oh là 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 là. J'attendais 3 secondes et... C'est ça, barre-toi. Une serrure accrochetée. Vaste. Tout va bien? Mais en fait, c'est le chronomètre. Ça me rend ouf, moi. Alors. Putain, pardon. Oui, bah dès qu'il regarde plus, quoi. Ok, c'est bon. Mon dieu. Et maintenant, vous tracez jusque là-bas le plus vite possible sans qu'il vous voie. Sachant que connement, j'ai augmenté ma jauge, quoi. Et lui? Ok, il me reste 33 secondes. Oh. Attendez, je suis où? Ah, la sortie est là. On est vraiment pas loin. Mais... Oh là là, je suis... Non, bon... Non. Ah si, j'avais dit qu'il faudrait passer par là. C'est-à-dire qu'il faut envoyer lui. Non, c'est mort. Oh.
3 secondes. J'ai échoué. Je suis morte. J'ai pas réussi. Ah ouais, il va falloir que je recommence. Bon, c'est pas grave. Je sais ce qu'il faut faire. C'est au moins ça. Je me ferai pas avoir avec l'autre garde bêtement. Ah non, on recommence. Mais non, mais ils sont cons. J'ai forcément perdu. Bah oui. Il faut que je refasse la mission. Ils sont bêtes aussi. C'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Mais oui, mais non. Ça c'est... Ça sert à rien. Voilà. Faut recommencer. Carte de la ville. On va recommencer parce que il va me sauver qu'à cet endroit-là, donc c'est bête. Ok, on est reparti. Parce que bon, je vais reprendre les mêmes gars, hein. J'étais bien partie. Mais je me suis fait avoir, ouais. C'est le grand jour. La réserve échappe pour passer. Ouais, est-ce qu'on l'a déjà vu? N'oubliez pas. Ok. On l'a vu. On l'a vu. Ah, il faut que je refasse mon choix. Oui. D'équipe. Ok. Atelier. Ah, ça c'est chiant parce que je savais plus ce que j'ai mis. Hein. Lui, je t'avais mis ça, ça. Je sais déjà plus. Toi, je t'ai mis ça, je t'ai mis ça. Toi aussi. Toi, je t'avais mis ça et ça. Et peut-être... Non, ça, je te l'ai pas mis. Je t'avais mis deux comme ça. Donc c'est toi que j'avais mis ça, peut-être. Je sais plus, moi. Et lui, j'avais mis une Tesla. Toi, je t'avais mis... Je sais plus. On va mettre ça. Bon, allez. On est reparti, on va refaire. Oh oui, 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 oui. 1, 0. Le courant est coupé et l'heure tourne. Cap sur l'ascenseur. Attention à la jauge de danger. Bien compris. Pas plus que suspect. Ouais, je sais, ouais. Pas plus que suspect, ouais. Ouais. Voilà. Ah non, c'est vrai que je pouvais sortir directement. Ça va barder. Ouais. C'est quoi le topo ? Lui, il s'en va. Hop, tu vas ouvrir. Ouais. Technicos pareil. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen ? Ah ouais. Oh, il y avait peut-être un meilleur moyen, non ? Je sais pas. Parce que si on se planquait genre là pendant qu'il est là, et dès qu'il a le dos tourné, on file là. Pareil, dès que lui il a le dos tourné. Ouais. Bah écoutez, on va faire ce que j'avais déjà fait. Hein, parce que sinon. Oh non, c'est bon, lui il arrive, mais. Serrure accrochée. Ouais, ouais. Ça va barder. Et ici que je m'étais planté, hein? Cette fois-ci, on va pas refaire la même erreur. Parce que j'ai perdu du temps à cause de ça. Donc, bon. C'est peut-être pas le bon chemin non plus, hein? Mais, il faut tenter. C'est parti. Vache. Au travail. Allez, go, les enfants. Putain, ils sont tellement les uns dans les autres que je les vois même pas. Mais regardez, il y a une porte ouverte là, qui donne là, qui donne là. Oh! Peut-être c'est mieux, non, de passer par là. En plus, il n'y a aucune difficulté. Et lui, dès qu'il est comme ça, on file. On va faire ça. Parce que là, avec les tours de garde, ils sont un peu chauds. Ouais, on va faire ça plutôt, hein.
On va se préparer. Excusez-moi, je mets bien ma caméra. Et maintenant, tout va bien ? Je vous jure, je stresse. Mais attendez, peut-être qu'ils peuvent pas passer. Bien fait. Si, c'est bon. Ok. Oh là là, et puis lui il s'en va aussi, c'est perfect. C'est perfect. On va du coup venir tout de suite sortir. Ça va barder. Ouais. Au travail. On va y arriver. J'ai de l'espoir. Vaste. Technicos pare. Tu vas bien? Ouais. Je sais pas ce que je fais. Oh my god, j'y arrive. Oh. Yes. Le bon moment. Maintenant, on rejoint le coffre. Oui. Il faut activer deux contacteurs en même temps. Oh, oh mon dieu. Oh my god. Bon, eh ben, ce sera pas mal déjà pour cet épisode-là. La première partie de la mission 11, à mon avis, elle va être quand même longue aussi, en plusieurs parties, comme la dernière fois. C'est mieux, parce que sinon, si je fais une heure de vidéo, y a peu de monde déjà qui regarde. Et ça donne pas envie de regarder. Donc moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. On a réussi à faire le truc en moins de 2 minutes. C'est génial, je suis contente. En plus, une jauge de danger à 0. Donc, voilà. Bon, effectivement, je me suis plantée au début. Bon, allez, moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Crooks Big Axe ou autre chose. Allez, salut!